Bonjour Pauline. Bonjour. Vous allez ouvrir ce jeudi votre crèmerie du Santerre. Un grand jour pour vous, hein? Oui, c'est ça. C'est un très grand jour. Qu'est-ce qu'on va trouver dans votre crèmerie? Alors, on va avant tout trouver du fromage et des produits laitiers, du fromage blanc à la louche, de la crème fraîche à la louche. J'essaie un maximum de mettre en avant les produits Picard et on va avoir des produits artisanaux de complément comme de la confiture, mais aussi des saucissons qui sont faits dans l'Oise. La confiture, c'est de la confiture artisanale 100% française. Et après, bien sûr, je vais proposer un petit peu de vin et de la bière artisanale de notre région. Pauline, vous êtes Moreuilloise, vous êtes née ici, vous avez grandi à Moreuil. Et dites-moi, ouvrir votre boutique à Moreuil, c'est quelque chose auquel vous teniez particulièrement? Alors oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie, on se pose et on réfléchit un petit peu à ce qu'on a envie de faire, à où sont ses racines. Et j'ai décidé de revenir ici pour être auprès des miens. J'étais pas très loin, mais à force de bouger partout, on oublie qui on est. Et quand on ne sait plus d'où on vient, on veut quand même reprendre un petit chemin. À un moment donné, je me suis posée pendant le confinement et je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quel est l'essentiel à l'heure actuelle. Je suis revenue au métier de bouche qui n'était pas ma spécialité au départ. C'est là que je me suis dit, il faut que j'ouvre ma boutique à Moreuil même, là où sont mes racines, là où est ma famille et les métiers de bouche, parce que tout simplement j'aime cuisiner, tout simplement. Et votre exigence, c'est proposer de la qualité à vos clients, hein? C'est ça. Ma seule exigence, c'est de proposer des produits de qualité, mais aussi je souhaite lutter contre le gaspillage alimentaire au maximum, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on jette beaucoup trop les produits avant qu'ils soient consommés et ils sont encore consommables. De ce fait-là, je veux vraiment limiter mon impact.